Didou, dessine-moi un panda. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Bonjour les amis. On fait du jardinage. Didou, Yoko, je vais vous aider. Oups. Oh là là, oh là là. Oh non Sophie. Regarde notre beau jardin. Tu as écrasé tous les bambous. Ne vous inquiétez pas, ces bambous peuvent encore servir. Ah bon? Oui, on pourrait fabriquer une chaise de jardin avec. Et une balançoire, on pourrait? Bien sûr. Youpi, on va faire une balançoire. Mais c'est dur. Trop dur. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ne bougez pas, je reviens. Tu vas te... Me revoilà. Yoko, Yoko. Mais elle est où? Dans les fleurs. Ça sent bon. Je vais dessiner un panda. Il pourra nous aider, car les pandas connaissent bien les bambous. Un panda? Youpi! Vous voulez dessiner un panda avec nous? Oui. Pour dessiner un panda, je commence par sa grosse tête, un peu arrondie, avec deux petites oreilles. Et moi, je fais ses yeux. Un grand rond, un petit rond à l'intérieur et un point noir au milieu. Et je recommence. Voilà. Bravo, Yoko. Je rajoute son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Je lui fais un joli sourire. Maintenant, je dessine son corps. Et je lui rajoute ses pattes. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Et il ne reste plus qu'à le... Je m'appelle Anatole. Bonjour, Anatole. Oh, mais ce sont des bambous. C'est moi qui les ai écrasés. Tu t'y connais un bambou? Nous, les pandas, nous vivons dans les forêts de bambous. Alors croyez-moi, on s'y connaît. Aider à fabriquer une balançoire avec ces bambous? Voyons voir. Parfait. Miam miam. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi les bambous, je préfère les manger. Mais ça ne va pas du tout. Arrête. Impossible. J'adore le bambou. Et je dois en manger 20 kilos par jour. Didou, fais quelque chose. Ne t'en fais pas Yoko, j'ai une idée. Pour dessiner un panda, tu commences par sa grosse tête arrondie avec ses deux petites oreilles. Puis tu fais ses yeux, un grand rond, un petit rond à l'intérieur avec un point au milieu. Et tu recommences. Tu rajoutes son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Puis tu fais un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son corps. Et tu lui rajoutes ses quatre pattes. Une, deux, trois et quatre. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour, bonjour Anna. Dis Anna, tu as faim? Merci, mais j'ai déjà déjeuné. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Youpi! Nous aussi, on veut jouer à la balançoire. Tu pourrais nous en fabriquer une avec ces bambous? Facile! Nous, les pandas, nous sommes très habiles avec les bambous, car nous avons six doigts. Six doigts?
c'est beaucoup ça. Les amis, vous avez combien de doigts, vous? 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est beaucoup ça. C'est bien ce que je pensais. Et voilà, la balançoire est terminée. On joue? Oui. Et maintenant, si tu veux dessiner un panda, à toi de jouer. À bientôt, les amis. Tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Hein? Vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis! Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui! Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec deux petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais deux points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko. Elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko. Et maintenant, il faut le... colorier! En jaune! Mais, Dudou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre! C'est parce qu'il lui manque le plus important! Les rayures! Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou, voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour, c'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh. Mais c'est douillé ici. Je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules. On a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux? C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec deux petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues.
tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant, avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il enregistre pour que je l'entende. Quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Oh, ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis. Dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. Didou, dessine-moi un lama. Viens Didou, je crois que c'est par ici. Bonjour Yoko, bonjour Didou. Bonjour les amis. Je n'en peux plus. J'ai hâte de rentrer au chalet. Attends Yoko, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Hein? Tu crois? Mais oui, regarde! Tout à l'heure, nous sommes passés devant ce cerisier. Oh là là! Mais ça veut dire qu'on tourne en rond! On est perdus! Qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer par là. Mais ça fait des heures qu'on marche! Et mon sac est tellement lourd! D'accord, Yoko. J'ai une autre idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Et c'est qui? C'est un animal qui a l'habitude de marcher en montagne et qui peut porter des charges sur son dos. J'ai deviné! C'est un âne! Ce n'est pas ça! Je te donne un autre indice. Il a de la laine sur le corps. De la laine? Alors là, je ne vois pas. Et vous les amis? Nous non plus! C'est un lama! Un lama? À quoi ça ressemble? Tu vas voir! Les amis, vous voulez dessiner un lama avec nous? Oui! Pour dessiner un lama, je dessine d'abord ses 2 oreilles, bien hautes. Puis je fais son museau allongé. Et moi je fais 2 points pour ses yeux, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Maintenant, je dessine son long cou, 2 traits ondulés pour faire sa laine. Toujours avec un trait ondulé, je dessine son corps. Son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière, son ventre et le haut de ses pattes avant. Et moi je fais le bas de ses pattes avant et arrière. Bravo Yoko! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Je m'appelle Armando. Bonjour Armando. Alors c'est ça un lama? Tu as une tête de chameau et un cou de girafe. Quoi? Tu me traites de chameau? Et de girafe? Mais tu te moques de moi. Hey, attention Armando, tu me craches dessus. Moi, cracher? Oh là là, oh, elle recommence à se moquer de moi. Armando, mon ami Yoko ne voulait pas te vexer. Yoko, les lamas crachent quand ils ne sont pas contents. Quelle drôle d'idée! Je crois que tu devrais t'excuser. Cela le calmera, n'est-ce pas les amis? Oui! Allez Yoko! Bon, d'accord.
Écoute, Armando, je suis désolée. Je ne voulais pas te vexer en disant que tu ressemblais à un chameau ou à une girafe et que tu crachais en plus. Quoi ? Tu recommences encore ? Oh, ça y est, je suis très, très vexé. Trop, c'est trop. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit ? Yuko, je crois qu'Armando se vexe facilement. Et qui va nous aider alors ? Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Pour dessiner un lama, tu dessines d'abord ses deux oreilles. Elles sont arrondies et très hautes. Puis, tu fais son museau. Tu ajoutes deux points pour ses yeux, deux points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Tu continues en dessinant son cou, puis son corps ondulé. Tu fais son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière. Tu dessines son ventre et le haut de ses pattes avant. Tu termines en dessinant le bas de ses quatre pattes. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Isabella. Bonjour Isabella. Moi, je m'appelle Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui t'arrive? Isabella, je crois que Yuko n'ose rien dire car elle a peur que tu ne sois pas contente. Oh, mais rassure-toi, Yuko, je ne me vexe jamais. Ouf, parce qu'Armando, lui, il n'est vraiment pas commode. Il n'arrêtait pas de me cracher dessus. Isabella, on s'est perdu. Est-ce que tu pourrais nous conduire jusqu'à notre chalet? Bien sûr! Nous, les lamas, nous sommes de grands randonneurs et de bons guides de montagne. Allez, montez! Oh, Isabella, comme ta laine est douce! Notre laine est réputée dans le monde entier. On en fait des pulls de grande qualité. Si tu veux dessiner un lama, à toi de jouer! À bientôt, les amis! Au revoir, Didou! Au revoir, Yuko! Le chalet!